Eh bien salut tout le monde, c'est Romain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Zelda... Oh, de Zelda, oui, On est de de Zelda, bah Mario oui. Runner. Pardon, je confonds les séries, excusez-moi, de Mario Runner. Et aujourd'hui je suis avec donc Mister Big Gaston, toujours là, qui est toujours là, toujours vivant. Et coucou! Et donc dans l'épisode précédent, bon il s'est passé pas mal de choses. Bon, moi de mon côté j'ai eu un game over, donc j'ai perdu 5 points de merde là. Donc, du coup je suis très en retard, mais... Bon, Big Gaston, vu que c'est un boulet, il va pas tarder à avoir son game over, je pense. Tôt ou tard, il va l'avoir. Voilà. Donc, tout n'est pas jamais perdu et tout n'est pas jamais gagné non plus. Donc, voili, voilou. Donc, quatrième épisode, es-tu prêt, Big Gaston? Es-tu prêt? Ben oui. Tu es prêt? Attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Allez, donc moi j'étais dans le truc du piment, donc on va essayer de finir ce niveau. Et en y allant, faut vraiment, vraiment, vraiment y aller avec parcimonie. Voilà, comme ça. Nickel. Ah oui! En plus j'ai eu la comète farce, la pièce de la comète farceuse. GG! En 1 minute 17, et bah c'est parti. On n'a pas battu le record d'avoir une étoile en 10 000, en 10... J'ai la pièce comète de la piste de la course pimentée! Oui! Ah moi aussi j'ai eu. Et c'est à cause d'elle que j'ai eu un game over. Un miss. Pointeur! Il est mort. Pointeur! Wouh! Putain, non, ça recommence. Et du coup, c'est le dernier épisode qu'on tourne de cette séance de tournage Oui. du 30 août. Exactement. Donc pour le prochain épisode, on aura vu tous vos retours. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Sauf Oh peut-être ceux de l'épisode 4. Ouais, En fonction peut-être. de... En Sauf fonction de la moi. date à laquelle on tournera l'épisode. Du coup, voilà. Non, j'étais à l'étoile. Je me suis pris le triangle sur la fin. J'ai bien Yoshi, bien. Je t'ai pris un mur, espèce de con. Mais il en faut 16. Il manque 2 étoiles et je peux aller me taper Bowser. Dans les... la mine étoilée. La mine d'étoiles. C'était lequel? C'était celui de la série où il manque Oui, 12, oui, crois. oui, oui! Je l'ai, c'est bon. First try. First try, j'ai pas perdu de vie sur ce niveau, j'aurais pu en perdre une ou deux. Tatou boule des boules. C'est bon. Nice. Tam, 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 tam. J'ai 12 points, je crois. 12 ou 13, 12 ou 11 points, je sais plus. Je verrai ça au montage. J'ai un nombre de points comme J'en ça. ai 18, je crois. Attends, combien j'ai d'étoiles? Ouais, t'as un game J'en over ai d'avance. 14, j'ai 18. T'as un game over d'avance, je te rappelle. Et oui. Donc, chute abrupte, on est bon. Mine d'étoiles, on va le faire maintenant. Ensuite, on ira se faire le. Je pense que j'ai Voilà. suffisamment de fragments d'étoiles pour me faire la. La. Ah oh Les dalles qui claquent. Okay. Avec les Clic, dalles clac, qui clac. claquent, tu vois. Ça me permettra de récupérer une étoile et de récupérer une médaille comète. Comme ça, on pourra débloquer masse de comètes quand on les aura débloquées. Alors, ah, c'est avec le champi de pierre. Ça, c'est bon. Hop, juste qu'il me débarrasse de tous les ennemis. C'est pas sorcier, comme dirait Jamie. Et oui, Jamie! Alors. Marlo Non! de pierre. Ah, il est tombé. Mais je suis très con, putain! Ça va, encore 11 vies. Le truc qui va être chaud, c'est quand on recommence une séance de tournage, il faut se retaper tout. Il faut se Ouais. retaper le farm des vies. Exactement. Moi perso, j'y vais au talent, je ne ferme pas les vies. Moi, je vais peut-être, bah, quand on recommencera une séance de tournage, si ça va, si je suis pas trop loin derrière, si j'ai encore de l'avance, je pense que j'irai fermer. On aurait répertorié avant la sortie. Je mettrai à chaque fois des articles sur mon site qui répertorient, si vous voulez revoir des actions marquantes, des épisodes, quand est-ce qu'on a obtenu les étoiles, etc. Je vous mettrai un petit sommaire avec des petits. Ah, j'arrive plus à parler. Voilà, hein. Putain, non, mais ta mère, toi, tu meurs. Merci. Ça va aller le coup de faire ça. C'est un poulpe, c'est un leapling. Ok, j'ai raté. Si je tombe, je suis vraiment
une grosse merde. Parce qu'en fait, il faut que je me débarrasse de tous les ennemis. Pas trop con. Bah oui, mais deux fois, je tombe comme une grosse merde. Putain. Fuck. Oh, pire. Tu sais quoi, je vais me les faire sans le marteau de pierre. Ah, mais normalement, demain, normalement, je dois refaire un coup aujourd'hui, je crois. Je vais aller chercher. Un chargeur de DS Lite. Oh, nice. Et normalement, d'ici 8 jours, je recevrai une carte SD de 32 Go. Que je ne sais pas si elle partira pour ma Switch, mais je pense que ce sera ça. Parce que vu le nombre de jeux indépendants qui vont sortir et qui ont l'air cool. Voilà. Ah, d'accord, je viens de trouver une. Je viens de trouver un truc pour activer la pierre plus rapidement. Ah non. Non, c'était juste un bug. D'accord. C'est juste un bug. Ouais, voilà, le champ. Putain. T'en es où là? Ah oui, dans tic tac. Tac. Je suis où? Loin. Loin derrière. Parce que je suis nul. Mais non. Non, non. Oui. Non, enfin. J'y crois pas. Comment j'ai pu louper? Ah non, j'ai loupé la médaille comète. De ce niveau. J'ai complètement zappé la médaille comète de ce niveau. Elle était dans un cristal, j'ai oublié. Oh non, pas ce boss, putain. Faut lui taper le cul, c'est ça? Attends, je crois qu'il faut le cacher ici. Oui, c'est ça. Ah merde, les champs, on peut pas linker comme ça, d'accord. Non, mais je l'ai eu! Mais je l'ai touché! Mais. C'est une pièce. Ah, c'est moi, je l'ai eu. Taper ce boss de merde? Oh non, ça va. Il passe ce boss. Encore une fois? C'est n'importe quoi, normalement c'est 3 fois les boss, c'est pas 4 fois. Oh mais il est con. Alors j'essaie de me souvenir à quel boss t'es. Et quand... C'est à quel boss là? Ah c'est bon, j'ai eu. Le roulé-boulé là. Le roule là, le roule machin là. Ça va, mais j'y suis aussi. Mais t'as plus de points toi. T'as plus de points. Hein. Et j'ai pas pris la pièce comète. Ah moi je l'ai. Ça, voilà. Je crois. Yes. Que je l'ai. Je sais pas si je l'ai. T'as tout boule des boules. Ah, je suis passé sous lit. Non. Seriously? Bro. Faut combien d'étoiles par là, Bowser? Je sais plus combien c'est. Il faut 18, hein. Ou 19, hein. Et confonds pas avec ton nombre de points parce que. T'as pas de. Ah oui, 16, étoiles. Il faut 16 étoiles. 16? J'en ai 13. Putain, boss de merde. Je vais aller chercher. Je vais aller à Delft Clac. Et ensuite, je vais continuer mon avancée. Dans ton cul, ta touboule. Voilà. T'es mort? Non, j'ai niqué. Ouais, bon. Et là, c'est au sens propre du terme, t'as dans ton cul. C'est dégueulasse. Trop. Tu penses qu'elle durera combien de temps en présentation sur les gens AD de la Switch? Je sais pas, peut-être une petite heure, je sais pas. Oh, je pense pas une heure quand même. Bah, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Ça te tente, on l'a fait multi-twitch, tous les deux? Non, je sais pas, pas si j'aurai la cour. Ah. Ah oui. Bah, Walter moi, c'est comme la caméra avec le focus. Focus! Focus! C'est un matin, j'invente un jeu extra, ta mère. Ton jeu, il pue la merde et il est super dur. Non. Pas ma zone non plus, hein, oh.
Je suis repu. Transformation. Ah, celui-là, je l'ai pas eu. De goinfre. Ah, pardon, attends, je vais juste remettre mes écouteurs, etc. Parce que j'ai les cheveux. Dans la gueule. Ouais. Du coup, on va les récupérer, là, les trucs cachés. J'ai 10 vies. Autre fois, j'étais à 0, là, je suis à 10. Je suis tranquille. Saut en orient périlleux. Bon, là, on va se concentrer, vraiment. Là, c'est juste avec la Wiimote faire un coup de Wiimote. Hein. Ni plus ni moins. Donc, faut pas trop que je bouge mon poignet. Et ça devrait aller. À la fin, j'ai tellement rushé comme un gros sac. Ah, des pièces, voilà, je vais pouvoir l'avoir. Est-ce que je suis un sans longueur? Non, on va éviter. Hein. Je suis en train de faire l'étoile cachée de la série sidérale. On va cela jouer safe. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. Le coup du chompe là, ça va m'énerver. Allez, ce coup-ci, on mise pas. Si je mise pas ça, j'ai assez l'étoile. Elle est où la pièce comète? Je sais pas où c'est. Elle est plus loin, normalement, elle est sur un bord de truc. Merde. Je prends la vie. Elle est là-bas, ok. Je l'ai localisée. Vraiment que je la récupère. Non. Voilà, on va faire en deux temps. Oh putain! Je vais me faire baiser. Et ça, c'est pas cool de se faire baiser. Non. Je fais comment là? Allez. Il manque 3, sauf qu'il y a les 3 là par là. Putain. Je stresse, j'ai peur de tomber. Voilà, c'est bon, je les ai tous. Putain, pas encore un saut en longueur. Putain. J'arrive à la fin là. Oui. J'ai l'étoile. GG. First try les Dalkly Clack là. First try. Moi je viens de récupérer l'étoile cachée de la Siri. Oh non! Je viens de me rappeler de ce qu'est-ce que c'est l'étoile cachée. Je me dis que c'est un boss tiré du 1. Oui, c'est un boss du 1. Allez, on va faire un petit lancer de dés pour gagner une petite vie. Et ce sera une vie. Je suis putain de mouleux. Nique-toi, Scarabée. Je refais l'étoile cachée de série sidérale. Non, c'est la fin. Bah, moi je l'ai fait parce que c'était juste celle la plus proche, la moins chiante. Il y a 2 étoiles. Oh là. Alors, on s'est étoilé, les relous. C'est de te rattraper dans ça. Si je peux l'éviter, celle-là je l'éviterai. Parce que tout le monde le sait, j'adore les niveaux aquatiques. L'énigme des cascades jumelles. Oh non, mais ça va, elle est easy celle-là en vrai. Non, c'est la deuxième qui roule. Ouais, c'est ça. Mais je fais les deux, comme ça j'aurai assez d'étoiles pour Bowser. Non, j'en aurai 15. Un coup pour aller plus vite pour faire sous-marin. Koopa. Tac. Je
ça valait vraiment le coup. Hein. Bah nique-toi, eh ben poum, nique-toi en plus. Je vais me faire Bowser. Il est fou. Eh ben ouais. Je suis pas encore à Bowser, moi. Je suis dans la lance étoilée de merde, là. Bon, bah, je pense que c'est pour cette série, c'est mort, j'ai déjà perdu d'avance. Le mec, il a déjà 30 points, moi j'en ai même pas 20, quoi. Mais non, parce que, allez, prochain épisode, on rajoute des malus. Et des bonus autour, en tour de roue. Putain. Ouais, je voudrais bien qu'il y ait des malus, genre moins 10 points. Non, pas des points moins. Tu dois Non, mais non, en fait, si. Ça, mais avec une probabilité plus faible. Ouais, genre. Une probabilité très faible, genre, je sais pas, moitié de points en moins. Genre, mais vraiment une case toute petite. Hein. Vraiment. C'est une idée par exemple. Mais pas moitié de points en moins parce que c'est quand même sale. Ou voire moins 5 ou moins 6, je sais pas. Par contre, faut jouer en vite. Ouais. Tu vois, tu dépenses sur Z. C'est drôle, genre. Non, un truc plus drôle, genre. T'inverses tes mains. Mes mains. Tu dois mettre la mimote à gauche et le joystick à droite. Ouais, mais si. Ouais. Le truc à droite. Toi, t'es droitier. Gauche, non, je suis gaucher. T'es gaucher? Donc tu joues avec la Wiimote à gauche? Je mets ma Wiimote, elle est à la main gauche. Eh bah, du coup, c'est inversion de manette. Putain. Et attention, on va se taper Bowser du coup. Poitap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 
Alors la pièce comète, où est-ce qu'elle est? Non, la pièce comète, je l'ai déjà eu. Putain, c'est sûr, c'est toujours dans la première étoile que tu vois. Putain, en mode, elle est où la pièce comète du niveau? Mais en fait, je l'ai déjà eu. Oh, j'ai failli tomber. Attention. En fait, cette quoique cette partie-là, ou avec cette partie-là, elle est peut-être un peu relou. Je le conçois, mais. Hop. C'est combien 5 minutes? Je vais 5 minutes pour faire le boss. Ça se fait. J'ai 5 minutes pour finir ce niveau. Et éventuellement faire Bowser aussi. Ouais, j'ai 15 étoiles. Bon, vite, 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 vite. Bowser se contrôle en mode bonjour, like Bowser. Et je vais me faire défoncer. Mais non. 4,45? Oui. Ok. On va récupérer les fragments d'étoiles qui sont là. Ah si, j'en, oh, j'en ai 69. Ah non, c'est vrai que là il est un peu facile celui-là. Il est facile mais pas trop difficile. Là ici. Ouf, c'était assez humide là-dedans. Oh, c'était humide. En fait, je sais pas si j'aurai le temps de battre Bowser. Hein. Parce qu'en fait, c'est pas encore fini. Checkpoint. Oh, si, c'est bientôt fini. Cette partie, elle est pas très rose, ça va encore. Ça, mais moi, c'est 4 minutes. Faut que je trouve la partie pour inonder le truc. Elle est où? Normalement, il y a un endroit que si tu fonces dessus. J'ai une vie. Très bien. Ah, nice. L'étoile est là-haut. Et pour aller à l'étoile, voilà, il faut aller là. Et un des mobs à la clé. Oh putain, j'ai fait me faire cramer le cul. Bah voilà, allez, je l'ai. GG. La clé. En vrai, Bowser, il sert à rien, il est moche. Il est. Enfin. Non, il est cocu, il est plutôt stylé, c'est juste qu'il est juste nul en fait. C'est pas. Côté de Ganondorf. Après, Ganondorf, Bowser rivalise pas avec Ganondorf, mais il est quand même badass. Quoi. Ouais. En s'étoilé, c'est bon. Et tu sais quoi, Romain? Oui. Et j'ai 5 points en plus. Tu rigoles, mais tu vois pas le fond du bol parce que bon, c'est fini. On est loin d'avoir fini la série. Ouais, on a fait un quart là. On a fait un quart, mais bon, allez. Tu vas tomber sur un niveau, tu vas avoir 4-5 game over à la suite, tu vas bien pleurer. Ouais. Il y a certains niveaux, je pense qu'on va rager tous les deux. Et certaines comètes. Il y a certains niveaux que j'aime pas, que je sais que je les aime pas, je les fais pas. Hein. Et même si je passe à côté. Non, mais des niveaux obligatoires, je veux dire, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et une vie qui me sert absolument à rien. Parce que il reste une minute et bah. Il reste 1:27. Qu'est-ce que j'ai le temps de faire en 1:27? Bah, déjà, débloquer l'accès à Bowser déjà. Et qu'est-ce que je peux faire en 1:27? Oh non! Oh oui! Je sais pas, bah écoutez. Le problème, c'est que si je commence la galaxie de Bowser, t'es obligé de. Je pourrais pas sauvegarder. Bon, on va aller tenter là, on sait toi, il me reste une minute, ça sert à rien, j'ai pas le temps de faire.
quoi ? On va. Vous savez quoi ? On va retourner au vaisseau. Bah, pas de retour à la carte. Hein, hein, t'es sur la carte ? Ouais, je suis sur la carte. Ah, d'accord, sauf que j'ai pas le temps de. J'ai rien dit. Ouais, droit au retour à la carte quand on a fini session. Hein. Oui. Tournage. Oui, bien sûr. Il reste 30 secondes, donc de toute façon, j'aurai pas le temps de commencer la citadelle sinistre de Bowser. J'aurai pas le temps de la commencer. On va explorer un peu le niveau. Pour monter là-haut, avec Yoshi. Là, j'ai plus de pièces que de fragments d'étoiles. C'est n'importe quoi. Ah, moi aussi. J'ai 178 fragments. J'en ai 251. Et pour l'autre goinfre volumen, il en faut 700. Ce sera un truc impossible parce que tu rushes le jeu et tu... Mm. Ouais, 2, 1, et voilà, c'est terminé. Eh bah pouf et le jeu en pause, manette déposée. Bon, eh bah même, je veux dire, ça va, même plus. Hey, le seul épisode où il n'y a pas eu de sel. Eh, hey. Comme quoi? Mais je suis de loin, t'as combien de points? Je crois, alors j'ai combien d'étoiles? J'ai 17 étoiles, donc moins 2, j'ai 15, plus 2 fois 5, 25. 25, donc... J'ai 16 étoiles. J'ai 16 étoiles, mais j'ai une grande étoile. Donc en fait, j'ai 15 plus une grande étoile, 15, ça fait 20. 25 moins 5, 20. Non, ne me perturbe pas dans mes calculs, s'il te plaît. J'ai 16 étoiles, 15 points, parce que 15 étoiles normales. Une grande étoile, donc ça fait 15 plus 5, 20. Moins 5 parce que j'ai eu un game over. Du coup, ça fait 15. On est bien d'accord? Ça fait 15? Ouais, ça fait 15. 15 points, voilà, j'ai 15 points. Quand on a 20. 5. Ah oui, parce que t'as récupéré la grande étoile. Okay. Ouais. Donc ouais, non seulement il a un game over d'avance, mais il a un boss d'avance. Il a un monde d'avance sur moi. Non mais hey, vous vous rendez compte du bordel, hein? Bref, les gens, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. À partir du prochain épisode, à partir de l'épisode 5. Épisode 5, on va avoir une petite roue, il y aura des bonus, des malus, et ça risque fortement de changer le cours du jeu. De foutre la merde. Et de bien foutre la merde. parce qu'avec le vol de points, les pénalités, la version de manette, on pourra perdre des vies et tout, donc ce sera vraiment n'importe quoi. En tout cas, merci d'avoir regardé, ce fut un plaisir d'avoir fait cette session de tournage avec toi, Bigaston. On en refera 4-5 plus tard, du coup. Ah, dans 3-4 semaines. Ça. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, à aller voir le point de vue de Gaston, qui est super loin, qui a 25 points, qui est très 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 loin. Mais bon, moi je le talonne. Hein. De toute façon, la roue tourne à un moment, donc bon, on verra. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Enfin, à mercredi prochain, du coup, 18h. Allez, ciao tout le monde!